Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 27 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin, prendre possession de son corps. Le matin, s'étirer lentement en prenant conscience de chaque partie de son corps. La tête, la nuque, les bras, les mains, les jambes, jusqu'aux doigts de pied. Prendre possession de son corps, c'est d'une certaine manière réaliser que l'on est en vie et s'imprégner du moment présent. En fait, quand vous vous levez le matin, eh bien, étirez-vous, ça fait un bien fou. Voilà, petite philosophie de ce matin. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé initiation. Vous progressez et expérimentez en osmose avec vous-même. Initiation, on expérimente. Ben oui, on est venu ici sur Terre pour expérimenter. Expérimenter et apprendre, eh bien, sont le travail et le but de notre vie ici sur Terre. C'est en expérimentant qu'on apprend. On expérimente des belles choses et on expérimente des moins belles choses, mais ça nous apprend. Même si votre chemin est semé d'embûches et difficile à traverser, eh bien, cette expérience initiatique vous permettra d'avoir une bien meilleure compréhension des choses de la vie. Alors, tout le monde évolue à son rythme, n'est-ce pas? Et là, on vous demande d'évoluer et d'apprendre à votre rythme. Il y en a que c'est plus lent, il y en a que c'est plus difficile, il y en a que c'est plus vite. Alors pourquoi pas, pour certains d'entre vous, faire des stages et des formations pour vous perfectionner? Pourquoi pas faire un cursus? Vous êtes dans la bonne direction, n'est-ce pas? N'en doutez pas. Vous êtes dans la bonne direction si vous percevez des signes positifs que l'univers vous envoie. Si vous êtes négatif, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc, il y a des initiations à prendre. Que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit dans le milieu sentimental, personnel, amical. Voilà, vous devez prendre des initiations. Peut-être fermer des portes, peut-être pour pouvoir ouvrir d'autres. Peut-être que vous avez besoin d'une formation pour pouvoir accueillir beaucoup plus de savoir. Peut-être que vous avez besoin de faire des stages, faire un stage. Donc tout ça, c'est à prendre en ligne de compte pour votre évolution. Et encore une fois, prenez le temps et que ça soit à votre rythme. Ne courez pas plus loin que le bout de votre nez. Voilà, n'allez pas plus vite que le bout de... Voilà, il y a une phrase qui dit « n'allez pas plus vite que je ne sais plus ». Mais si vous en souvenez, mettez-le-moi en commentaire. Donc voilà, initiation, il faut prendre des initiatives pour pouvoir avancer. Si vous ne prenez pas des initiatives, vous allez rester sur place. Vous allez faire du sur place, il y a des décisions à prendre.
Je termine avec l'énergie de guérison. Aujourd'hui, moi, je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Écoutez-vous, n'est-ce pas? Et soyez serein, sereine. Permettez cette belle harmonie en vous de prendre sa place, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Et d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous embrasse, et je vous dis à demain.